Il ignore mes messages, mais il est connecté. Pourquoi? Bonjour à vous, mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour pouvoir décortiquer avec vous le problème derrière le problème de ce sujet autour de pourquoi est-ce qu'un homme qui est connecté et qui m'ignore et fait ça? C'est quoi la situation? Qu'est-ce que je dois en comprendre? Il y a encore un autre problème derrière que je vais vous expliquer pour que vous puissiez avancer sur vos relations et sur votre amour de vous-même. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach de vie certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Mon métier, ma mission, ma passion, c'est de vous accompagner depuis 2019 à vous libérer de la dépendance affective et à pouvoir être dans des relations saines en vous aidant à renforcer votre estime de vous-même. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, eh bien je vous invite à le faire maintenant, en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, puis en activant la cloche des notifications pour recevoir toutes les prochaines vidéos dans la semaine à 18h et l'interview d'une personnalité inspirante le samedi à 11h. D'ailleurs, pour les femmes qui me regardent et qui sont célibataires, qui ont conscience de leurs problématiques et qui font de leur mieux pour travailler sur elles, sachez que j'ai fait pour vous, j'ai organisé pour vous une formation offerte qui s'intitule Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et qui vous permet justement de travailler sur cet objectif-là, sur l'estime de soi, les relations, à travers une première série de vidéos totalement offerte avec des outils de coaching. Donc pour y accéder, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, sur le deuxième lien qui est proposé, à remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Est-ce que vous avez déjà rencontré un homme sur les sites de rencontres? Dites-moi dans les commentaires, vraiment. Situation 1. Oui, non. Est-ce que vous avez déjà rencontré un homme sur les sites de rencontres avec qui le feeling passe plutôt bien, qui est pas moche, pas beau, qui vous plaît pas plus que ça, qui vous tient la jambe parce que vous comprenez bien que vous lui plaisez et que le monsieur a beaucoup intérêt à être en couple vu le temps qu'il attend de trouver quelqu'un? Et donc, pour une raison ou pour une autre, il n'est pas méchant, vous voulez pas le bloquer? Il vous a rien fait, donc vous voulez pas non plus mettre un terme tout de suite. En même temps, ça peut être sympa pour les jours où on s'ennuie un petit peu. Donc, vous laissez cette conversation avec le non-lu, histoire de dire, je ne t'ai pas ghosté, j'ai quand même une conscience personnelle. Ou alors, peut-être que vous l'avez archivé, ou alors peut-être que vous l'avez mis en silencieux. Et puis, à chaque fois, vous vous dites, ouais, non, mais j'ouvrirai à son message plus tard. Au pire, je suis connectée, j'ai pas ouvert, etc., etc. Situation 1. Situation 2, est-ce que vous avez déjà parlé à quelqu'un, ami, fille, garçon, avec qui la personne est sympa, mais elle vous transcende pas non plus? Elle est super motivée pour vous parler, elle veut trop être copine avec vous, mais vous, vous la trouvez pas exceptionnelle, donc au final, bah, vous faites pareil. Elle parle de la pluie et du beau temps, elle est jamais dispo pour vous voir, donc finalement, bah, vous la laissez en vue. Vous l'archivez ou vous ouvrez pas ses messages, et puis finalement, 3 ans après, vous retournez sur votre WhatsApp et vous dites, tiens, j'ai jamais répondu à cette personne-là. Oui, vous l'avez déjà fait, hein, d'accord. On est tous des bonnes personnes, mais on a tous nos petits comportements toxiques qui sont tout à fait normaux. Pourquoi? Parce que même si c'est pas bien de ghoster, ça nous arrive. On n'a pas envie de dire non, on n'a pas envie de dire à la personne, t'es super sympa, mais tu me fais chier, ou t'es super sympa, mais j'ai pas envie de parler avec toi. Où tu n'as aucun problème, mais en fait, ta personne ne m'intéresse pas suffisamment pour que j'ai envie d'investir du temps là-dessus. Soyons d'accord. Maintenant, vous avez votre réponse. C'est ça l'explication. Ne cherchez pas plus loin. Pourquoi cet homme est connecté et il ignore vos messages? Parce qu'il n'en a rien à faire, pour pas dire autre chose en fait. Parce qu'il n'a pas envie forcément de mettre un terme à quoi que ce soit, parce que ça lui coûte de l'énergie, parce que... Vous n'êtes même pas présente dans sa tête, qu'il oublie même votre conversation, il a fait une hallucination négative, il ne vous voit même pas. Et parce que finalement, il n'a pas vraiment cette envie d'être complètement sérieux. À moins qu'il soit manipulateur au point de souffler le chaud et le froid et d'essayer de créer de la frustration, et auquel cas c'est de la manipulation, donc c'est pas bon non plus. En fait, il est connecté et il ne vous répond pas parce qu'il n'a pas envie de vous répondre. C'est ça le problème. Mais le vrai problème derrière, pour moi, c'est pourquoi vous êtes capable dans votre vie de faire des trucs hyper compliqués. J'imagine que vous êtes cadre, prof,
peut-être mère au foyer qui s'occupe de tous ses enfants, femme qui cuisine super bien, peut-être que vous avez fait des masters, des trucs hyper compliqués. Mais par contre, pour vous rendre compte qu'un homme n'a pas envie de vous parler, là, il n'y a plus personne. Moi, j'aimerais savoir. Je me demande ce qu'il y a derrière. Je me demande s'il n'y a pas, par exemple, une sorte d'aveuglement avec une intention positive de se dire, tiens, je vais essayer de trouver de la logique là où il n'y en a pas. Et finalement, bah, je ne sais pas à quoi ça vous sert, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne vous sert pas à avancer, en fait. De même que je comprends, et j'en ai aussi en coaching, je comprends qu'il y a des personnes qui se disent, ouais, j'entends, mais c'est pas dans mes valeurs de ghoster. En fait, là, on parle pas de morale. Moi, je suis pas là pour vous dire c'est bien ou c'est pas bien. Je suis juste là pour vous dire les choses. Maintenant, que ce soit bien ou pas bien, c'est un fait. Des personnes qui, à ça, vont me dire, je comprends, Chloé, mais moi, j'ai besoin de lui envoyer un dernier message pour lui dire ce que je pense de ces quatre vérités et lui dire que c'est pas bien de ghoster et lui demander pourquoi et avoir des explications. Non, chérie, t'as pas besoin d'explications. T'as juste besoin de t'aimer toi-même, en fait. T'as juste besoin de t'aimer toi-même, de respirer, de saliver un petit peu et te dire, bah ok, c'est pas grave, lui il voit pas ma valeur, bah c'est un fait, ma vie s'arrête pas là, ok il est beau, super, c'est triste, c'est décevant, c'est vrai, c'est dommage, c'est sa perte, that's his loss, mais en fait, je ne peux rien y faire, vous ne pouvez rien y faire, malheureusement, vous ne pouvez rien y faire, vous n'allez pas lui courir après, donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous aimer vous-même, vous allez vous accompagner, vous allez le supprimer, sans lui écrire parce que ça sert à rien. Attendez une semaine, après ça sert à rien. Et tout simplement, reprenez confiance en vous. C'est pour ça que je parle tout le temps de regarder les peurs qu'il y a derrière. Parce que souvent, c'est des peurs de ne pas trouver mieux derrière. Et ça vous correspond, ça vous appartient. Donc regardez-le. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire si vous avez envie de. Voilà, de m'écrire des commentaires, des questions, de me faire des remarques. Et puis, si vous avez besoin d'être accompagné justement pour vous aimer vous-même, pour améliorer vos relations, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo, qui correspond en fait à la réservation d'un appel de 15 minutes offert avec moi. Donc vous allez pouvoir choisir le créneau qui vous correspond. Vous allez pouvoir également répondre aux questions qui vont me servir pour l'entretien. Et on fera ensuite un bilan sur votre situation, sur votre problématique, sur votre objectif. Et si je sens qu'on peut travailler ensemble, à ce moment-là, je vous proposerai une première séance toutes les deux. Pour les personnes qui veulent travailler en autodidacte, en étant seules, sans coach, mais qui veulent quand même un programme complet et sérieux pour les aider à se libérer de la dépendance affective, j'ai créé un programme très complet qui dure de 3 à 6 mois, que j'ai mis 2 ans à finaliser. Pour être sûre d'avoir une méthode qui tienne vraiment la route et qui soit pertinente et puissante, ce programme, il s'appelle Confiante, indépendante et envoûtante. Il est disponible dans la description de cette vidéo et je vous invite à en prendre conscience et connaissance pour les personnes que ça intéresse. Et enfin, pour terminer, si vous avez envie de commencer à travailler sur vous, mais à petit budget sans vous ruiner, sur des petits programmes spécialisés, je vous invite à vous concentrer sur deux programmes en particulier. Un programme qui s'appelle Être sa propre alliée pour rayonner et s'accompagner au quotidien. C'est vraiment un programme centré sur l'estime de soi qui coûte 22 euros. Et le deuxième, c'est un programme qui s'appelle 10 étapes pour se libérer de la dépendance affective et qui permet donc lui de vous accompagner sur 10 semaines à vous libérer de la dépendance émotionnelle. Et ça, donc, ça a une valeur de 66 euros. Et pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, YouTube, Spotify, TikTok, Facebook, etc., avec les liens en description de la vidéo. Merci beaucoup pour votre attention, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.